Dans la catégorie poésie, le jury était constitué de Robert Berouet-Auriol, Herménégilde Chiasson et Suzanne Jacob. Les finalistes sont Corinne Chevalier pour Anatomie de l'objet, publié aux éditions Les Herbes Rouges. Frédéric Garicomo pour Souffle, publié aux Écrits des Forges. Hélène Dorion pour Cœur comme livre d'amour, publié aux éditions de l'Hexagone. Christian Saint-Germain pour Tomahawk, publié aux éditions du Norrois. Maud Smith Gagnon pour Un drap, une place, publié aux éditions Triptyque. Le prix du gouverneur général en poésie est remis à Maud Smith Gagnon pour Un drap, une place. Il y a d'abord des gens à remercier. J'aimerais commencer par le Conseil des arts et les trois membres du jury. C'est une surprise et un honneur si grand de me retrouver ici. Puis des gens qui ont à voir de près ou de loin avec mon livre, qui parfois même n'ont rien à voir du tout. J'ai choisi de les nommer par ordre alphabétique: Alex Boll, Alexis Bellavance, Louise Warren, Maïgan Lepage, Martine Lausier, René Lapierre, Simon Quentin, Thomas Ouellette, Frédéric, Virginie Lagagnère. Ensuite, ce constat. Par un projet d'écriture, il y a quelque chose que l'on cherche à toucher. Écrire, cela peut aussi vouloir dire travailler une pièce de cuir, voyager, transformer un vieux modèle Ford de 1974. On peut s'approcher de cette chose, croire par moments qu'on la touche, et finalement non. Ce que l'on cherche semble toujours résister aux moyens dont on dispose. Je me dis que c'est une chance, que c'est précisément la raison pour laquelle on se remet au travail. C'est ce qui nous pousse à continuer, à ne pas s'arrêter. Je suis très heureuse de recevoir ce prix aujourd'hui pour sans doute mille raisons. La plus simple est qu'il m'incite à continuer. Merci. Un drap, une place est publié aux éditions Triptyque, représenté par Robert Giroux.